tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui je vais poursuivre mon dossier consacré à mes séances d'entraînement en FST7. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'historique, l'origine et le principe de cette méthode, je vous invite tout simplement à aller voir ma dernière vidéo où je l'explique beaucoup plus en détail. Et je vous propose d'ailleurs ma séance pectoraux utilisant cette dernière. Aujourd'hui je vous présente ma séance dos, séance bien sûr à n'effectuer qu'une seule fois dans la semaine, de par le volume de travail assez important. Séance et d'ailleurs méthode qui s'adresse principalement aux avancés, mais amis intermédiaires qui avaient quelques années d'entraînement au compteur, vous pourrez néanmoins tester cette séance. Bien sûr, pour chacun des exercices que je vais citer, je spécifierai les zones musculaires qui seront impactées et je ferai un bref rappel des consignes principales au niveau de l'exécution technique. Et écoutez, sans plus attendre, on va commencer de suite ce programme. A tout de suite. Allez, nous allons commencer de suite cette séance après un bon échauffement au préalable. En premier exercice, il s'agit du rowing yet, prise pronation, un mouvement qui va axer le travail sur l'épaisseur de votre dos. Comprenez par là, solliciter principalement les trapèzes moyens, les trapèzes inférieurs. Bien sûr, les dorsaux ne seront pas en reste. D'ailleurs, la prise pronation va permettre un plus grand recrutement de ces derniers, contrairement à la prise supination. Je vous rappelle que le buste penché à 45 degrés va vous permettre de mieux contracter vos trapèzes et que ce mouvement consiste à effectuer un tirage vertical, et j'insiste bien sur vertical, de la barre vers votre nombril. Et faites-moi plaisir, tirez-moi ces coudes un maximum et serrez-moi ces omoplates de sorte à vous assurer un parfait recrutement de vos trapèzes. À mon sens, un des meilleurs exercices pour vous forger une épaisseur digne de ce nom. En deuxième exercice, nous avons du tirage poulie haute, prise pronation, un mouvement qui va accentuer le travail sur la largeur du dos, c'est-à-dire focaliser la tension sur les fibres externes de vos dorsaux. Je vous rappelle que pour cet exercice, rien ne sert de prendre la prise la plus large possible, ça n'aura aucune incidence sur le recrutement de vos dorsaux. Une prise légèrement supérieure à la largeur d'épaule suffira amplement. Gardez-moi cette poitrine constamment sortie, pas d'épaule vers l'avant, sous peine de perdre en efficacité de travail et de stresser l'articulation de l'épaule. Poitrine bien sortie, gardez le dos bien droit, de sorte à favoriser le raccourcissement de vos dorsaux. Ne vous penchez pas en arrière, sous peine de transformer cet exercice en exercice de trapèze. Et enfin, de grâce, car oui, je le vois encore en salle, ne me passez pas cette barre derrière la nuque, sous peine encore une fois de provoquer l'apparition d'éventuelles pathologies au niveau de l'articulation de l'épaule. En troisième exercice, nous avons du rowing machine prise serrée, un mouvement qui va porter l'accent sur l'épaisseur de votre dos. Donc vous l'aurez compris, sur le travail des trapèzes mais également des dorsaux. Et je vous rappelle que comme tout exercice de rowing, ce mouvement sera conditionné par le passage de l'épaule de l'avant vers l'arrière, ce qui va être la clé de voûte de l'efficacité de cet exercice. Donc lors de la phase concentrique, lors du tirage, tirez-moi bien dans un premier temps cette épaule vers l'arrière. Serrez-moi ces omoplates également à maximum, tirez-moi également ces coudes à maximum, le tout pour vous assurer un recrutement musculaire optimal. Si dans vos salles, vous n'avez pas ce type de matériel, vous pouvez très bien substituer ce mouvement par du tirage poulie basse prise serrée qui fera tout aussi bien le boulot. En quatrième exercice, nous avons du tirage poulie haute, prise neutre, mouvement qui va porter l'accent et qui va focaliser le travail sur les fibres inférieures de vos dorsaux. Je vous rappelle que pour cet exercice, penchez votre buste uniquement de 30 degrés en arrière. Rien ne sert de vous pencher de manière excessive, sous peine encore une fois de changer cet exercice en exercice de trapèze, et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc buste penché uniquement à 30 degrés, poitrine bien sortie, les bras le long du corps. Tirez-moi cette poignée vers la partie inférieure de vos pectoraux en vous assurant de tirer les coudes un maximum vers le bas et vers l'arrière. Voilà, cette séance dos est quasi terminée, j'ai bien dit quasiment, car il nous reste la spécificité du FST7, ces fameuses 7 séries de 10-12 répétitions sur un exercice d'isolation. Et nous allons les effectuer avec du tirage poulie haute, bras tendu à la corde, un des rares exercices de dos à être mono-articulaire, comprenez par là qu'il ne fera pas intervenir l'articulation de votre coude, et de ce fait sortira de l'équation la force et la force de traction de vos biceps, isolant de ce fait parfaitement le travail de vos dorsaux. Au niveau de cet exercice, je vous rappelle que l'angle que forment votre avant-bras et votre bras ne devra en aucun cas changer durant l'exercice. N'effectuez pas d'extension et devra se déplacer en rétropulsion en un seul et même bloc, à l'instar un petit peu d'un nageur, d'un crawler prenant appui sur l'eau. C'est d'ailleurs pour ça que nous l'appelons l'exercice du nageur. Et je vous conseille de plutôt l'exécuter à la corde afin de bénéficier de beaucoup plus d'amplitude de travail.
Et voilà qui conclut cette séance dos en FST7, une séance composée d'exercices qui va vous assurer de par la variation d'angle de travail, un développement harmonieux de votre dos. Je vous rappelle que cette séance n'est à effectuer qu'une seule fois dans la semaine, hein, de par le volume assez important de travail, et que cette méthode s'adresse principalement aux avancés, mais toi, ami intermédiaire, si tu as quelques années d'entraînement à ton actif, tu peux très bien tester cette séance qui offre des sensations tout bonnement extraordinaires. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, les amis. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé. Le lien du site sera en description de la vidéo. Quant à moi, je vous souhaite à tous de très bons entraînements, de très bons entraînements dos en FST7. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue ce petit dossier ou si vous voulez que je passe à autre chose. Ce ne sont pas les thèmes qui manquent. Je vous souhaite à tous de très bons entraînements. Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foucra. Bye bye les amis, ciao, salut.